On va se rendre en direct vous retrouver Mathieu Coll. Bonjour. Alors pour le moment, Johan van de Lanhout est toujours actif puisqu'après les francophones, hier, il rencontre les trois parties néerlandophones conviées aux négociations aujourd'hui. Oui, Grégory, et ce malgré ce climat de tension extrême, vous avez pu le constater dans le reportage de Loïc Parmentier et dans l'extrait diffusé de Philippe Moreau, le conciliateur pourrait demander à Bart De Wever aujourd'hui une réponse claire, auquel cas, s'il ne l'avait pas, eh bien, excusez-moi, et visiblement, s'il vous plaît, monsieur, madame, laissez-nous travailler, voilà. Je vous disais donc que malgré ce climat détestable, le conciliateur continue à travailler. Après les francophones hier, il va rencontrer cet après-midi les quatre parties flamandes. Bart De Wever est arrivé ici à midi quart, avant tout le monde. Caroline Jeunet pour le SPA et Elio Di Rupo sont arrivés les 5 minutes. Et puis il y aura aussi également Wouter. On a vu Elio Di Rupo rentrer, c'est ça l'information effectivement, puisque aujourd'hui il n'était question que des présidents flamands, Wouter van Beusin pour Groen et Wouter Beek pour le CDNV. Alors que vont-ils se dire? Eh bien, ils vont parler de cette proposition de compromis faite par Johan van de Lanhout cette semaine, proposition à laquelle les francophones ont déjà dit qu'ils avaient des modifications à proposer. Et mercredi soir, rappelez-vous, la NVA avait déjà publié un communiqué dans lequel elle parlait de modifications à apporter pour que cela corresponde à ses exigences. Alors dans exigences, on n'entend pas vraiment résonner le mot compromis. Il faudra donc voir cet après-midi si effectivement Johan van de Lanhout met Bart De Wever au pied du mur. Celui-ci risquerait de ruer dans les brancards. Johan van de Lanhout pourrait alors effectivement remettre son tablier. Merci Mathieu, en direct donc depuis l'arrière du Parlement fédéral à Bruxelles.